La société, dans le moment où on parle là, la police continue à tailler Banda en dedans dans Solino. Mais si on débarque dans Solino, ça fait trois jours côté à mettre qui chère à terre pour te dire qu'il y a gros âme dans en bas. Et ça qui fait un plaisir dans l'histoire là, dans ce qui a passé en bas dans Solino, la population crapée avec la police. La population montre que la police a fait pas yo. Moi, toujours dis ça à la police. Mon Dieu, il y a un problème avec tout même, monsieur. C'est nous-mêmes qui pouvons agir très très bien. Imaginez, hier, mon Dieu mettait du feu, bandit mettait du feu dans le chat. Il a tenté de mettre du feu dans le chat. Mais pendant qu'il a tenté de mettre du feu dans le chat, ça, la police nationale d'Haïti, elle fait cool qu'on est. Fait sale capable, sale pito. Donc, à, sous leadership, ou bien sous compréhension population, eh bien, donc, nest finalement joué un petit bagage dans le yo. Nest un petit bagage dans le yo. Eh bien, mes frères et sœurs, amis, c'est la population qui met ensemble avec la police. Donc, pour retirer du fer dans le char. C'est la population oui, qui assure là. Donc, pour monsieur, pas toute quantité de problèmes. C'est la population oui, qui montre que lui paraît, quel que soit genre, donc lui pas prêt à le bail. Petit bandit chance, petit bandit léguin, pour petit bandit faire ça au pito dans le bloc là. Mesdames, mademoiselles et messieurs, dans le moment où je parle à coup même là, la police a fait gol. La police montre que le pas d'avance. Mes frères et sœurs, amis, il y a du nouveau. Il y a du nouveau et beaucoup de choses en ce qui concerne de la mort de policier Sahara qui fait actualité hier. Forme que me dit nous, il y a une actualité qui pratiquement est pour tant pile tristesse. Et bien, selon toute dernière information que nous avons, ce que nous avons capable les derniers updates, la police nationale d'Haïti a finalement arrêté. Yon policier qui t'a impliqué dans Zaksa et policier ça relé Cantave Jean Anderson. Monsieur son 26e promotion. Monsieur gagne madame ni qui c'est sœur demoiselle là Medjine Michael qui mouri hier dans Delma 75 que yon accusé monsieur comme quoi monsieur Sénèg qui t'a à la base ou bien à la hauteur de la mort ça de scandale ça qui bat en pile qui a sauté. Ce que vous voulez dire nous dans le moment, il y a pile bagaille qui est important pour que nous parlions. Il y a pile bagaille qui est essentiel pour m'expliquer. Monsieur Sana prison, avec toute madame qui est sœur de Mazel là, et tout le monde connaît son nom, Nathanael Medjine Michel. Il y a tout une action qui pose là, Mbaraïl. Mbaraïl du tout, coup de filet ça, arrestation d'un individu qui entrait dans sa affaire trafic ZAM. Munition, la police prend monsieur et alors la police présente monsieur. Monsieur, gant pile mouvement que le qu'on a fait. Et mouvement monsieur, c'est des mouvements drôles. De mouvements personne moun pas remè. Et pas comprendre, pas d'accord. Faut-il tellement, comment y est-ce qu'on forme ou sous FSU Haïti, maman Pembacha et pas contre là. Je dis, m'a décidé pas l'empile trop dans tête tout, mais quand même, faut que me forme yo. Pour capable bien début de ça qui a passé actuellement là dans le pays d'Haïti. Avant même nous aller dans l'autre formation, surtout me connait après me connait ça qui a passé actuellement là dans Solino. Oui, effectivement Solino grand pile la gars qui a fait. Effectivement Solino gagne et gros leçon qui a bail là. Mais avant on nous fait coûte filer ça dans cadre d'un contrôle de routine qui effectué mercredi 7 août dernier, la police dans sud-est t'est possédé avec arrestation Van Camille Wanchi Desrosiers dans le secteur de Dumez. Et il suspecté que monsieur est impliqué dans plusieurs actes et monsieur bon réseau de trafic d'armes à feu et de munitions. Phénomène ça qui inquiétait en pile monde dans la région pour permettre que pendant une fouille, yo fouillé téléphone monsieur agent yo pour découvrir que monsieur a plusieurs photos d'armes de calibre 5,56 et 9 mm, ainsi que plusieurs images de produits rassemblant à de la marijuana. Elle a dit son équipe a non seulement M. Vanzam, M. dans tout bagay. Selon sa PNH, elle dit il y a une conversation qui est également trouvée entre Van Camille et deux autres individus, Mackenzie et Oscar. Tout a regardé Arélie Camille. Un bien la police pour M. Donc, dans un moment, M. va réfléchir d'une autre manière. Je voudrais m'informer nous tout de certaines choses. Et qu'est-ce qui a passé, mesdames, mademoiselles et messieurs, actuellement là dans Bel Air et Solino?
La police décidait dans Solino, à Bel Air, pour que yo portait de solutions, pour que yo montrait monsieur yo, malgré tout c'est eux-mêmes qui policiers, malgré tout c'est eux-mêmes qui gagnent capacité, malgré tout c'est eux-mêmes qui là pour agir. Eh bien mes frères et sœurs amis, pendant nèg t'a fait tentative vous mettez du feu sur une machine, sur un blindé, population accompagner la police et la police montrer que les diligentes tout effort qu'elle gagne. Et ça qui est vraiment important, la police dans tout petit coin. Une petite vidéo côté là il y a parlé qui pas trop dans tout petit coin la police qu'il y a. Nous estimons que gagne certains acteurs politiques en tant que dehors transition qui manifestaient volonté pour faire échec à toute démarche démocratique et administrative qui prévue par l'accord du 3 avril 2024. Nous avons attiré l'attention de la population haïtienne que aider comme parti politique moderne et démocratique, nous étions attachés à l'accord 3 avril 2024 là. Nous étions attachés à la résolution, à décret qui est publié le 27 mai 2024 là, dans le journal officiel PIA Le Moniteur, qui dit très clairement comment grande décision de prendre au niveau conseil présidentiel là, et qui expliquait à travers résolution hein, non seulement question présidence tournante là, mais qui précisait l'ordre et selon lequel ça doit aller. Par exemple, nous connaissons le premier président dans le cadre de présidence tournante là, c'était le conseiller président Edgar Leblanc. Il a écrit noir sur blanc dans le décret et dans la résolution qui est publiée le 27 mai 2024 là, dans le journal officiel PIA, que 7 octobre 2024 cap arriver là, c'est pral le tour présidentiel du CP Smith-Augustin. Donc, nous étions, comme parti démocratique, nous étions attachés avec les outils, c'est la loi, qui vient nous tourner à partir de publication dans le journal officiel PIA, des dispositions légales qui doivent respecter à travers la gouvernance intérimaire. Aider à préciser, à attirer attention peuple haïtien sous des tractations, des matraquages politiques, de machinations qu'a fait avec volonté pour détourner la transition et par rapport à ça, il y a comme mission impérieuse et il y a exprimé à travers des grands chantiers qui s'est adressé à sécurité, qui s'est réforme constitutionnelle et institutionnelle, qui s'est organisation, élection, comme nous sommes dit là, crédible, inclusive et transparente. Nous dit peuple haïtien, pour être vigilant, veillez en haut, veillez en bas. Gagnez un groupe de monde qui est très puissant dans le pays, qui va être une mission, camper en face de tout projet démocratique qui visait changement réel, condition peuple haïtien. Mounsayo paraît pour investir gros l'argent, pour faire toute qualité complot contre peuple, contre parti politique, aider contre jeunesse là. Nous dit peuple là, restez vigilant. Mais on constate nous qu'a fait. Nous, malgré toute tractation politique, peuple là fait un peu de gars. Peuple là pas occupé yo, parce que yo, c'est de complot. Et complot qu'a fait, c'est de complot anti-peuple. C'est de complot anti-changement. C'est de complot anti-développement. Nous rassurer les haïtiens, nous aider comme parti politique. N'a toujours été bon côté, n'a toujours pris une décision qui est bon pour yo, n'a toujours bataille pour changement arriver jeune, parce que changement peuple haïtien, c'est changement nous tous. Changement peuple haïtien, c'est changement aidé. Changement peuple haïtien, c'est changement tout vrai haïtien conséquent qui bataille l'autre bord de l'eau, tant qu'on en Haïti. N'a fini pour nous dire, tout ça qui est publié, comme outil juridique, ou bien qui fait jodi à état de disposition légale pour permettre transition à réussir, quel que soit complot, de quelque nature que le takaye, l'a fait échec
pas faire échec contre le peuple haïtien. Et c'est pour ça, le peuple haïtien doit jouer un rôle vigile pour que toute bagaille passe bien, toute bagaille respectée à la lettre, parce que la principale victime, c'est pas lui. Et c'est ça qui fait nous pas dormir. Nous pas de dormir dans le jeu de Ronel pour une bataille pour que la transition ça a réussi, parce que Haïti pas prêt pour qu'on ait une troisième transition consécutive. Ça va créer un mauvais antécédent et ça va créer une pleure contre la démocratie réelle à travers la République. C'est ça, il y a des membres qui représentent le financement de BDA, qui est impliqué dans le dossier 100 millions d'euros de BNCA. Et puis, il y a un dossier de CARICOM grand, mais il y a un dossier qui est en cancer de la 3 mois. Ça nous dit que vous êtes en train. Bon, pour information, cancer. Visa, donc vous pensez que nous avons toute information déjà, ça c'est une rumeur qui va gagner pour avec vérité. Information qui dit que CARICOM mandé écarté, et le parti politique n'est pas au courant de lui du tout. Donc nous étonnés, plein de ça circuler. Et nous pensons que ça allait dans le cadre de matraquage politique qui visait complot et coup d'État 7 octobre 2024 là. Donc nous disons que les Haïtiens continuent à être vigilants, continuent à battre avec Mounki Poulo. Nous félicitons pour l'intelligence qui va entrer dans des matchs qui fait mon sao très peu de cas, parce que c'est des gens qui ont fait marchandage, soit pour accaparer le pouvoir, soit pour qu'ils aient une situation misère à grand bout côté là. Vraiment merci. Position par rapport à la conjoncture politique actuelle là. Aider préoccupé par l'évolution du pouvoir de transition, côté que après plus passé 32 mois de combat, et nous gourmets pour nous changer en transition, pour venir avec notre gouvernance intérimaire qui est responsable, qui est unie, qui vient en harmonie, pour que nous adressions à problèmes qui saccagent la BPIA, notamment l'insécurité, pour que nous adressions les problèmes misère grand groupe qui vient dans le pays, et au fait procéder à l'organisation des élections crédibles, inclusives et transparentes.